Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 novembre, il est bientôt 15h40 et vous amène au Parc Beaumont. Venez, suivez-moi. C'est mardi matin et il y a du changement, je vais vous le montrer. Regardez, c'est super, ils ont rénové ce passage, enfin le passage n'était pas créé, c'est les gens qui vont passer la terre en y passant régulièrement, super. Regardez, il y a beaucoup d'engins de chantier, je vais passer devant ce même balai pour vous montrer les travaux. Voilà, je vais passer devant la stèle. Allez, je vais passer ici, le saut. C'est ce truc. De la bonne terre. Ça va être magnifique. Une fois terminé, je vous montre, bien entendu. Allez, on va regarder par là. Puisque nous sommes au Parc Beaumont, je vous propose d'aller faire un petit tour pour essayer de voir la chaîne des Pyrénées. Longer le jardin pyrénéen, on va essayer de la voir par ici, comme la dernière fois. On dirait un nid de frelons asiatiques, mais c'est pas le but. Regardons les Pyrénées maintenant. Midi d'osso dans la brume. Elles sont brumeuses, mais magnifiques. Et maintenant, un petit coup d'œil sur le Palais Beaumont, casino municipal. Allez, on va passer par ici maintenant. Il est fort probable qu'ils vont continuer ensuite par ici. Ceci expliquerait ces barrières.
coup d'œil sur les Pyrénées. Vous reconnaissez cette photo, enfin ce site. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, une personne était en train de les nettoyer pour les installer là. C'est super. C'est très joli, ça présente très bien l'entrée. Félicitations. André Labarrère, notre ancien maire, avait prévu de faire ici au fond de l'école du parc de l'école de musique un observatoire des Pyrénées. Pour le plaisir, au retour, un petit coup sur nos Pyrénées. Un coup d'œil, bien entendu. C'est la Fondation du patrimoine qui a participé à ces rénovations, la rénovation du kiosque. Vous avez reconnu, bien entendu, ce sont les Aspin Towers, en français les tours d'Aspin. Voilà, c'était ma vidéo de ce mercredi 18 novembre pour vous montrer l'avancement des travaux du Parlement et vous donne rendez-vous pour voir de futurs de Michel News. À bientôt.